Hello à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans un spot qui change de d'habitude puisqu'on est dans la maison de mon grand-père dans le sud vers Perpignan. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous avez des vacances. Si vous n'en avez pas, je vous envoie du love. Moi j'ai 2 semaines de vacances donc je vais en profiter à fond. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous aimez en général puisque c'est un haul. J'ai passé une grosse commande un peu été sur Asos avec des chaussures, des chaussettes et beaucoup de petites robes. J'ai hâte de déballer tout ça avec vous, de les essayer, de vous faire mes petits retours. Je vous mets tous les liens en description, on croise les doigts pour que ce soit pas en rupture de stock. On va déballer ensemble article par article et ensuite je vous mettrai des petits close-up avec ma voix off pour savoir ce que j'en pense de la taille, de la matière, du rendu, etc. Est-ce que je renvoie ou pas? N'hésitez pas à me dire vous quelles sont les pièces coup de cœur de ce haul et si vous avez craqué sur ces beautés. Je dis ça, ça se trouve je vais rien aimer. Mais je pense qu'il y a quand même des petits trucs que je vais kiffer. Je crois que j'ai tout dit, on va commencer dès à présent pour pas perdre de temps parce que j'ai trop hâte. Oh la bête! J'ai juste ouvert mais j'ai rien déballé. On va commencer par ce qu'il y a au-dessus, une petite robe. Alors ça c'est une robe manche longue, ça va peut-être pas forcément être pour cet été ou alors le soir quand il y a des petites fraîcheurs. Je vais vous montrer porter mais regardez-moi ce tie and dye, il est encore plus beau que sur le site. Collusion vraiment c'est une marque que j'ai connue grâce à vous, c'est une marque qui est vendue sur Asos qui est pas trop chère. Et j'adore, hein. Je surkiffe. J'ai hâte de l'essayer, de vous faire un retour. Bah écoutez, j'aime beaucoup le rendu. Alors vous allez voir, c'est peut-être un peu chiffonné parfois dans ce try-on, mais on va faire genre c'est pas si chiffonné. La couleur est vraiment top, j'aime beaucoup la coupe, les manches, le fait qu'il y ait un genre de col à l'avant et sur le dos qui soit comme un peu carré. Même si je l'aurais vu plus bas quand même le décolleté. Mais j'ai quand même envie de voir ce qu'elle rend ceinturée parce que je pense que je vais préférer. Et voilà comment ça rend ceinturée. Donc forcément quand on ceinture ça remonte toujours un petit peu à l'arrière. Mais vous allez voir là elle est un peu plus longue à l'arrière que sur le devant. Donc du coup ceinturée bah ça pose pas de problème. Et ça c'est nickel. Je valide, je garde. Yes, numéro 2, c'est un petit haut. Pareil, c'est un haut à manches longues que je vais peut-être pas porter cet été là dans le sud. De toute façon j'ai pris zéro pantalon. La meuf a pris que des robes dans sa valise. Mais c'est juste que bah, sur Asos les trucs partent tellement vite que quand j'ai vu ce petit haut je me suis dit lui... En automne, printemps, hiver, je vais le poncer. Donc faut que je le prenne maintenant, sinon je vais me faire avoir. Il est trop beau, échancré comme ça, j'adore. Pas déçu de la matière, pas déçu de la couleur, ni du rendu pour l'instant. Donc je l'enfile et je vous donne mon avis. Merci de ne pas juger mes coups de soleil. Franchement, j'adore ce haut. Je regrette pas du tout de l'avoir pris, même si je sais que je pourrais pas forcément le porter cet été parce qu'il fait chaud de ouf. Je sais qu'en tout cas, pour tout ce qui est printemps, hiver, automne, je vais adorer. Le col V, moi, c'est ma forme préférée de décolleté. Et sur l'avant, l'arrière, comme ça, c'est magnifique. Et les petits détails de matière comme ça, j'adore. Je garde. Troisième pièce, petite robe verte collusion. Vous voyez ce petit vert pastel là? J'adore. Donc c'est une petite robe bretelle comme ça, courte. Pareil, j'ai hâte de la passer. J'ai peur que ce soit juste pour la poitrine. Mais sinon, franchement, là, comme ça, pas déçu. Hein. Une meringue. J'ai pris que des petites robes et des petites robes colorées dans mon dressing. Je suis trop contente. Ça sent l'été. Cette robe fait définitivement partie de mes coups de cœur dans cette commande. Je la trouve hyper fraîche. J'adore la longueur, j'adore la couleur. Je la ceinture pas parce que je trouve qu'elle est déjà bien ceinturée finalement avec cette forme sur le devant avec les bretelles. J'avais peur que ça passe pas au niveau de la poitrine mais en fait ça va nickel. De toute façon j'allais pas mettre de soutien-gorge. Et j'aime beaucoup le rendu fluffy qu'elle fait en fait. Elle tombe super bien. Donc bien évidemment, je garde. Oh là là! Alors, celle-là, je pense que c'est une des robes que j'ai le plus kiffé de ma commande sur le site. Donc j'espère ne pas être déçue. C'est une Asos. De toute façon, sur Asos, j'achète Asos ou Collusion en général, les vêtements. Elle est très jolie, j'ai hâte de l'essayer. Vous voyez, je pense qu'on peut mettre les épaules en haut ou sur les côtés. Elle a l'air d'être hyper légère. Le seul petit point, faites attention, si vous n'aimez pas ce genre de matière, bah, vous voyez, c'est un peu comme un genre d'organza bizarre. Je la passe. Et on en débrief. Écoutez, contre toute attente, j'aime beaucoup cette robe, mais ce n'est pas mon coup de cœur définitif de la commande à l'essayage. Voilà, j'aime beaucoup comment elle tombe, j'aime beaucoup le rendu. Elle est doublée en bas, donc il n'y a pas de souci de transparence. On a un col carré sur le devant, sur l'arrière. Les petites manches bouffantes sont très jolies. Alors, je vous disais juste avant que peut-être on pouvait les porter plus hautes ou plus basses, mais en le portant, j'ai pas eu l'impression, j'ai vraiment eu l'impression que ça restait comme ça. Elle est déjà un petit peu ceinturée. Moi, je fais le nœud à l'arrière. Je crois qu'on peut le faire à l'avant aussi, mais je préfère le rendu à l'arrière. Ça fait très petite maison dans la prairie. Voilà, je pourrais pas mettre de soutien-gorge avec parce que sinon il se verra, mais elle est assez cintrée et ça fera l'affaire. Et je la valide, je vais la garder. J'ai commandé des chaussettes. Regardez-moi ça, elles sont trop mignonnes. Les petites chaussettes pâquerettes. Petit fait à savoir sur moi, j'aime pas les chaussettes. J'aime que les sockets noires, classiques, voilà. Ça, je me dis quand même dans une paire de petites baskets basses. C'est mignon. C'est mignon avec une petite robe, ça, ça passe. Mais même l'hiver, c'est sockets. J'arrive pas les chaussettes, c'est pas pour moi. Dites-moi que je suis pas la seule. Bon écoutez, pas grand chose de spécial à dire dessus, à part qu'elles sont très mignonnes, très jolies. Voilà, ça fait l'affaire dans une petite paire de baskets blanches basses.
je garde, j'aime bien. Petite robe Vero Moda, c'est une marque que je commande pas mal sur About You, que je kiffe. Et donc du coup là, comme je les ai vues dans les nouveautés et que je connais ma taille, bah je l'ai grave prise. Bah vous voyez, hein, vous savez, c'est le genre de robe cache-cœur comme ça, un peu portefeuille sur le bas que j'aime trop. Et c'est vraiment la couleur là qui m'a fait craquer. Elle est trop belle. La matière est hyper légère, hyper, hyper agréable. Je suis sûre que je vais rien renvoyer. Je vous laisse avec la Pauline du futur qui va vous présenter le fitting de cette tenue. Quelle tristesse, parce que vous allez voir, cette robe est trop belle. Après, vous m'avez déjà souvent vu avec ce style de robe. Là, vous voyez, elle est un petit peu transparente, donc déjà première déception. La matière est trop cool. C'est pas du satin, mais je dirais que c'est un entre-deux. Elle est fine et presque satinée. Et bref, le côté portefeuille en bas, j'adore. Le côté col V en haut, les petites manches comme ça, la couleur, les petits pois, j'aime tout sur cette robe. Mais gros bémol par rapport à la taille au niveau des bras, c'est un petit peu serré, je le sens dans les mouvements quand je lève les bras, etc. Donc c'est pas hyper agréable, je suis hyper deg. Mais avec la transparence et ça, je pense que je vais la renvoyer parce que c'est pas adapté et que j'en ai déjà plein. Ah, oh mais oui. Alors, ça, parlons-en. Alors c'est une petite robe de chez Collusion qui m'avait l'air, ma foi, très courte, donc j'ai peur sur la longueur, mais incroyable. Elle faisait vraiment petite robe en satinée d'été. Donc en gros, c'est une robe à bretelles comme ça. Je crois que c'est peut-être la seule sur laquelle je me suis dit s'il va peut-être falloir en renvoyer une, ce sera celle-ci. Mais je l'ai trouvée trop belle et je voulais pas passer à côté, donc je me suis dit au pire, je l'essaye, je la renvoie. Écoutez, on essaye et on avise. Hein. Soit je vous montrerai derrière ce que ça rend, soit je vous montrerai pas en fonction de ce que ça rend. Ce haul, c'est définitivement la preuve que parfois on a des a priori bons qui s'avèrent négatifs et l'inverse. J'avais très peur que cette robe soit beaucoup trop serrée, beaucoup trop courte. Alors en effet, elle est courte. Elle est plus courte que toutes les robes que j'ai dans mon dressing et même que j'ai commandé dans ce haul là. Mais bah écoutez, pour cet été, moi je trouve que elle est très bien cette longueur. Et elle me va, j'aime beaucoup les détails sur les côtés un petit peu comme ça. Elle est satinée, il y a des petites couleurs bleutées, jaunes autour des fleurs. Les petites bretelles se nouent, enfin... Franchement, je trouve que c'est la robe de l'été, je l'aime trop. Je l'ai déjà portée plein de fois, franchement c'est un gros coup de cœur. Je vais la garder, ça c'est sûr. Et enfin, dernière robe, on est sur une robe de bal. C'est le genre de robe un peu, vous savez, robe à mettre quand on est invité dans des petits mariages, des petits cocktails. Elle est en matière un peu néoprène. La couleur est magnifique. Hein. Et elle est mi-longue. Et j'aime trop le détail des petits... Des petits nœuds comme ça sur les bretelles. J'ai trouvé hyper jolie et de robes un peu plus habillées comme ça. J'en ai, mais j'en ai pas des mosses. Je suis en train d'essayer de me trouver des excuses. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas. J'ai hâte de l'essayer et j'espère qu'elle va bien m'aller et que la matière... Alors moi, néoprène, c'est toujours délicat. Soit ça passe, soit ça casse. Ça a l'air quand même assez bien coupé. Faut qu'on voit. Bah écoutez, très satisfaite de cette robe. Je trouve qu'elle fait le taf. J'aime beaucoup la coupe, la longueur. Je trouve que c'est parfait. Bon, j'ai mis avec mes petites baskets. Peut-être que je pourrais la porter avec des petits talons, mais franchement, avec des baskets, ça me choque pas non plus. La matière est... ne fait pas quali, donc ça, c'est top. Et vraiment, ce petit détail des gros nœuds, j'adore. Vraiment, la couleur est trop belle. Voilà, je sais pas trop quand je vais pouvoir la mettre, mais quand je la mettrai, je vous tiendrai au courant. Mais je la garde. Et on termine avec deux paires de chaussures. La première, c'est une paire de tongs à grosse plateforme Asos noire. Elles existent en kaki. Aussi, voilà, petit détail doré sur le contour, gloss sur la forme, un côté un peu matelassé sur le devant. Bah, elle ressemble au site, hein. Mais je sais pas pourquoi, j'ai une petite déception, mais je saurais pas vous dire pourquoi. Bon, à tester. Écoutez, j'avais vraiment kiffé cette tendance de grosses tongs, etc. Mais je pense que j'ai pas craqué sur le bon modèle. Je suis un peu déçue à réception par le côté matelassé que je trouve un petit peu cheap. Je suis pas forcément hyper à l'aise dedans, je me vois pas forcément les porter avec les robes et les tenues que j'ai, donc je vais les renvoyer. La deuxième paire, c'est une paire de baskets parce que je vais à Amsterdam la semaine prochaine. Il faut des petites baskets de marche. Elles sont trop belles. Il y a des petits détails argentés comme ça. Ça, avec des petites robes, elles font un petit peu à plateforme. Donc, j'aime beaucoup ce genre de baskets. Mais ma seule crainte, c'est qu'à chaque fois que j'essayais des Puma en boutique, j'avais mal aux yep. Et j'espère juste qu'elles vont pas me faire mal aux pieds, sachant que je vais avoir beaucoup de marche. On essaye les Puma et je vous fais un petit feedback. J'espère qu'elles vont aller. Bon, pour le design, incroyable. Vraiment, c'est le genre de baskets que j'adore parce que je peux les porter avec des robes. Et moi, c'est ce que je cherche dans des baskets. Et en général, les baskets blanches à plateforme, c'est toujours nickel. Je vous les ai passées avec les petites chaussettes pour que vous voyez. Je les ai prises une taille au-dessus de ma taille habituelle et je pense que c'est le bon move à faire pour moi chez Puma. Elles sont très confortables. Moi, j'ai passé 2 jours à marcher avec à Amsterdam sans problème. Mais le problème, c'est juste que j'ai beaucoup trop marché. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai eu des ampoules. Mais sinon, elles sont folles. Franchement, je suis trop contente de cet achat. Et voilà, on en a fini pour... Ah ben... Mais non! Il nous reste encore un petit accessoire! Passion pince à cheveux, hein, ici. Je vous ferai un meilleur close-up
portée, mais elle est trop belle. Très été, couleur d'été, summer vibe. J'adore. Bon, écoutez, elle ne me quitte plus, hein, cette petite pince. Bon, par contre, je me suis baignée avec et les petits fils ont rouillé. Donc ça, pas cool, mais en même temps, je pense que c'était prévisible. J'y ai juste pas réfléchi. Voilà, après, c'est une pince. Hein. Je suis nulle en tuto coiffure. C'est pas moi qui vais vous montrer des trucs, mais voilà. Je trouve que pour l'été, surtout avec ma petite robe bleue, là, magnifique. J'adore. Bon, écoutez, on en a fini avec ce haul. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura diverti, que vous aurez découvert des petites pépites, ça vous aura donné des petites inspies, couleurs, formes, styles, je ne sais pas. N'hésitez pas en tout cas à me le dire en commentaire, je serais ravie de vous répondre. Je vous le dis ici, mais j'ai des problèmes dans mes commentaires. Je fais des sessions réponses et ça s'affiche. Et le lendemain, quand je refresh pour répondre aux autres commentaires, ceux de la veille ont disparu. Donc je ne sais pas si mes réponses à vos commentaires s'affichent et ça me stresse parce que parfois je re-recommente et je me dis ça se trouve il y en a deux, mais je fais le maximum pour vous répondre et j'espère que vous voyez mes réponses. Comme je vous disais au début de la vidéo, toutes les refs sont en description. Je vous embrasse fort, je vous souhaite de passer une très belle semaine, je vous retrouve dimanche prochain. Ce sera pour un vlog de Amsterdam normalement. Je vous fais de gros bisous, passez un bel été, que vous soyez en vacances ou non, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye-bye.